on sait que chaque homme a un prix. Je te parle même pas des femmes, mes ennemis scrutent mes faits et gestes. Enfant, l'homme c'est mépris. Ça m'a remplacé sa carotte. J'suis pas un rappeur à la base. Pour ça que j'ai plus de thunes que ton producteur Koufias. Big Dash, rappeur du 9-4, Charenton les berges. C'est sa carotte. J'suis pas un rappeur à... Je rappe depuis 10 ans maintenant. On a commencé à rapper au quartier, maison de quartier, atelier rap. Et après, on a commencé à prendre les choses un peu plus au sérieux. Et aujourd'hui, on se professionnalise et on aspire à être sur le devant de la scène. Il y a eu Top Shooter volume 1, L'Enfant des Tranchées. Et là, le troisième qui sort le 17 février, qui s'appelle Ils savent comment j'opère. On va dire que c'est la rampe de lancement. Bien évidemment, il est meilleur que les précédents, mais c'est la rampe de lancement pour dire que là, on est prêt à décoller. Il est plus construit, il est donc forcément plus travaillé et plus ouvert. Alors les retours que j'ai eus par rapport à L'Enfant des Tranchées, c'est, bah, comme je l'ai dit précédemment, on sent qu'il y a un cap qui est passé dans la manière de sélectionner les instrus. Sur L'Enfant des Tranchées, j'étais très, très renfermé sur le côté US. Là, aujourd'hui, je me suis un peu plus ouvert sur le projet à un côté londonien aussi, au niveau de la drill. Et dans celui-là, on s'est mis à chanter, chose que je faisais pas, forcément avant. Je suis avec les gars du Rino, ça fume la touca tous les jours, tous comme si j'avais deux Rino. Mister Switch, Monsieur Ref, un ennemi meurt, je pète une lèvre. Piano Piano, c'est un titre que j'ai choisi par rapport à un morceau que j'ai fait qui s'appelle Italie. C'est un feat avec Shine, d'ailleurs, gros big up à Shine, c'est un très bon artiste. Et en fait, c'était sur la continuité. Donc ce son-là, Piano Piano, je l'écris en fait quand je suis sur le chemin pour aller en Italie. Et ça définit aussi la manière dont on a avancé, Piano Piano. En fait, c'est un concept. Nook, c'est un concept, ça veut dire pas de refrain. En fait, c'est un son où tu fais que kicker. Et j'étais parti, en fait, et je suis même parti dans une série où je vais faire des Nook en série. Parce que de base, je suis un rappeur, je suis un kicker, et voilà, c'est ce que j'aime faire, donc no hook. Loyauté, très important, très 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 important dans tout. Moi aujourd'hui, c'est quelque chose auquel vraiment j'attache une grande importance. Les gens qui sont autour de moi maintenant, c'est des gens loyaux. Leur loyauté, elle a été testée. Ils m'ont prouvé que je pouvais compter sur eux. Donc c'est un son, je pense, qui va parler à beaucoup de monde. Ouais, il y a un gros clip qui arrive. Un gros clip. Quand je dis gros clip, c'est déjà parce qu'il est lourd. Et en plus, c'est un clip sur lequel on a beaucoup misé en termes de budget et en termes de qualité, et c'est un feat avec ALP qu'on a déjà retrouvé sur mon précédent projet, L'Enfant des Tranchées, et là il est encore sur celui-ci, artiste établi, c'est un ami d'enfance, donc c'était logique qu'on le retrouve encore sur ce projet-là, et donc ouais, le clip, le son, il s'appelle Seulement, et il va faire parler. Des tales. On va pas se mentir. On en a mis. On en a encore un peu à mettre. Mais concrètement, aujourd'hui, je pense que l'image, je l'ai. La bonne image, je l'ai. Le concept, je l'ai. Mon écriture et mon bagage dans la musique, qui continue à grossir, à s'améliorer. Mais ce qui va manquer, c'est peut-être l'exposition. Et l'exposition, aujourd'hui, bah, t'as beau être bon comme tu veux, t'as beau être présentable, stylé, de ouf, comme tu veux, tu, si t'as pas certains moyens pour arriver à attraper certains médias, certaines plateformes, bah, t'es limité. Et c'est ça qui me manque aujourd'hui, je pense.
moi des thunes, on vient me soulever après ton... C'est vrai, mais c'est, je trouve que c'est de plus en plus rare et c'est dommage. C'est dommage. Après, moi, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, souvent, tu regardes ce qui se fait un peu à droite, à gauche et tout, et tu te dis « Ah, mais moi, je suis meilleur, ah, et tout. » Mais en fait, aujourd'hui, je suis même plus dans cette optique-là. Moi, je me dis « Faut travailler plus. » Celui qui est là, qui est devant, il a travaillé. Il a travaillé, c'est-à-dire que toi, t'as pas encore assez travaillé pour être devant lui. Continue à travailler. Et ça va forcément payer. La suite, bon, bah, déjà, on va sortir le projet Ils savent comment j'opère, le 17 février. Et on va continuer à travailler. Je réfléchis à plusieurs projets visuels. Donc, partir sur des concepts, mais je ne vais pas trop en dire dès maintenant. Mais en tout cas, on va sortir le projet, défendre le projet. Et puis à la fin de l'année, comme on dit, hein, c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens, on verra ce que ça aura donné. Comment je perds ? Non, beaucoup de travail. En tout cas, dans la musique, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et j'essaye de m'entourer, en tout cas, à mon niveau, des meilleures personnes. Et voilà, c'est de l'investissement au quotidien. Faut livrer tous les jours pour toucher le pactole. Faut fumer tous les joueurs, tuteurs et tous. On sait que chaque homme a un prix. Je te parle même pas des femmes. Mes ennemis scrutent mes faits et gestes. Enfant, l'homme, c'est mépris. Ça m'a remplacé sa carotte.